مرحبا مشتاق كي صبراني دونك نصلحوا اوتر سيري على ستركتور دو لا ماتيير نمشيو نصعبوا شويه في لي زيكزارسيس نتعمقوا اكثر في الستركتور دو لا ماتيير دونك عندي تابلو لهنا عطيني نون دو ليون سيمبول تيب كونستيتيوشن دو ليون دونك لهنا عطيني نون انا سولو النون باش نطلع السيمبول تيب والمكونات نتاعها وبيان العكس دونك يون سولفات يل اس او 4 دو موان type de léon avec sulfate sauf le type de charge non avec deux moins c'est-à-dire c'est un anion ou un cation c'est un anion voilà donc l'anion t'es il est en fil fil s fil o le s ou soufre ou le o ou l'oxygène donc les nerfs anti s o 4 deux moins anip je vais vous le dire Donc, puisqu'il y a deux mois, il y a deux mois, donc automatiquement c'est un anion. Voilà. Donc, je suis un anion. Je suis un S plus, je suis un oxygène, il y a un normalement, plus 4 O. Ben, tu vois, c'est bon. Mais, je suis un S ou le soufre. Donc, un atome de soufre. Plus 4 atomes d'oxygène. Voilà. Donc, au 2 moins chemin, tu as un gain de 2 électrons. Donc, 2 moins gain. Moins, tu as un gain. On a un juste accent. Tu as un gain de ion carbonate. دونك قال لي سيت ان انيون باهي انتم ماكوش تنجموا تطلعوا السيمبول مي شوفوا لهنا المكونات نتاعها شنو فيها سيت ان انيون اول حاجه هو الانيون دونك الشارج باش يكون موان في لهنا باردون هو ان اتوم دو كربون دونك عندي سي 3 اتوم دوكسيجين عندي الاو و 3 هذيك النومبر داتوم نحطها من اللوطه في الانديس من اللوطه ayant gagné 2 électrons. Gagne 2 électrons, c'est-à-dire 2 moins. Et tout ça, voilà. Donc, c'est un anion, ah oui, 2 moins. Fille, carbone, 3 oxygènes, ou gagne 2 électrons. Voilà, donc, c'est O3, 2 moins. Radalibad, ion ammonium. Donc, NH4 plus. Donc, me demande dit plus, c'est un cation. Voilà. Donc, les nénages, je vais te dire comme NH4 plus. Voilà. Donc, le plus, c'est un cation. Cation, il y a des pertes d'un seul électron. Plus 1, c'est-à-dire. Phi, N, c'est un N ou l'azote. Plus 4H, H ou l'hydrogène. Ok. Donc, l'atome théorie, phi, pardon, l'ion théorie polyatomique, phi, un atome d'azote. Plus 4 atomes. D'hydrogène. Ok. Donc, pour les neiges, nous avons dit, bien sûr, gain d'électrons. Voilà. Plus, perte, cation, perte d'un électron. Un seul électron. Voilà. L'ion libard, l'ion nitrate. NO3 moins, c'est un anion. Je n'ai pas l'anion de puis N, c'est l'azote, ou l'O, ou l'oxygène. Donc, puis un atome d'azote, plus 3 atomes d'oxygène, plus, donc l'N, c'est un. Anion, donc gain d'un seul électron. Gain d'un électron. Voilà.
ion hydronium, c'est un cation, là, trois atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène ayant perdu un électron. Ben, fille, trois atomes d'hydrogène, donc H3, et un atome d'oxygène O, perdu un électron. Donc, l'aîné a dit perdu, pardon, plus, donc H3O plus. Voilà, c'est l'hydronium. Ion hydroxyde, donc c'est un anion au H-. Je n'en fais l'anion derrière au H-. Donc, phi, un atome d'oxygène plus un atome d'hydrogène plus donc gain d'un électron. Donc, au moins. Voilà. Donc, nous avons fini notre CIR pour nous parler de l'exercice les bâtons. عطيني تابلو دونك باش نكمل بالنقص مولكول هي اكسيد دو كربون شنو فيه فيه ان اتوم دو كربون و ان اتوم دوكسيجين دونك لهنا عندي سي او هاني اتوم دو كربون و اتوم دوكسيجين لاتوميسيتي سي 2 عندي 2 اتوم سي ان كور كومبوزي في دو نوايو اوكي Ozone, donc trois atomes d'oxygène, c'est-à-dire O3. Voilà, l'atomicité c'est 3, hein, trois atomes. C'est un corps simple, fille, un seul noyau, l'oxygène. Dichlore, deux atomes de chlore, donc c'est-à-dire un CL2. Voilà, deux atomes de chlore. L'atomicité c'est 2. Corps simple ou composé, c'est un corps simple. Simple, on va dire un avec l'atome qui est composé en 2. L'ammoniac, un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Donc l'azote c'est N, l'hydrogène H3. Donc l'atomicité c'est 4, on dit 4 atomes, 3 d'hydrogène et 1 azote, c'est un corps composé. Voilà. Une molécule renferme trois atomes de carbone et un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène ayant une atomicité égale à 12. Déterminer le nombre d'hydrogène. B. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait la molécule? Il fait le carbone, il fait l'hydrogène ou fait l'oxygène. Donc, N égale nombre d'atomes de carbone plus nombre d'atomes d'hydrogène plus nombre d'atomes d'oxygène. Voilà. Donc, l'hélicdèche 12 égale nombre d'atomes, il renferme 3 atomes de carbone, c'est-à-dire 3, plus nombre d'atomes d'hydrogène, N, plus un atome d'oxygène, plus 1. Donc, égal à 4, plus N. C'est-à-dire, le nombre d'atomes d'hydrogène à quoi est égal? D'hydrogène égale 12 moins 4. Donc, l'énergie égale à 8. Donc, on dit 8 hydrogène. Donner la formule brute de la molécule. Donc, là, je nomme la formule brute de la molécule. Anda, le carbone, anda 3. Donc, C3H8. Voilà. Donc, là, ou oxygène, anti carbone, oxygène. C'est un corps, bien sûr, composé. Voilà. OK. Donc, c'est un corps composé, bien sûr. Voilà, donc, tabon y a la sabourette, je vais vous comme une série à la formule brute. Okay? Mais avant, je vais vous montrer l'exercice de la série interne. Donc, l'atome d'oxygène est formé par un noyau de charge électrique 12,8 10-19 coulombs au cours duquel tournent des électrons.
Quelle est la charge Q' portée par l'ensemble des électrons, sachant que l'atome est électriquement neutre? Donc, l'année, bien sûr, Q', quoi est égal l'année? Normalement, on dit l'atome puisqu'elle est électriquement neutre. Donc, Q de l'atome égale Q de noyau plus Q des électrons, qui est égal 0. Donc, l'année, un noyau porte Q égale à 12,8. Donc, Q', il y a Q des électrons, donc égale à moins Q de noyau, donc est égal à moins 12,8, 10, moins 19, coulomb. Voilà. La charge électrique d'un électron égale, moins U égale à moins 1,6, 10, moins 19. Calculez le nombre N d'électrons dans l'atome d'oxygène. Donc, quoi est égal N et le nombre N égale Q électrons sur la charge élémentaire. Donc, N est tout entier. Bien sûr, tu t'atténues moins 12,8, 10, moins 19, sur moins 1,6, 10, moins 19. Donc, l'année, on trouve 8 électrons. Voilà. Lorsque l'atome d'oxygène, l'année, gagne 2 électrons, on obtient un ion simple. C'est l'ion oxyde. Définir un ion simple. Donc, un ion simple. Est un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà. Donc, donnez les symboles de l'atome d'oxygène et de l'ion oxyde, donc l'Na. L'oxygène, donc, c'est O. L'ion oxyde. Donc, l'ion oxyde, c'est normal. Donc, l'ion oxyde, il... Donc, voilà. Donc, on dit O de moins. Voilà. Gagne, puisque... Donc, O de moins. Voilà. Donc, l'Na, calculer la charge électrique de l'ion oxyde, donc Q, égale moins 2 fois 1,6, 10 moins 19. 2 est quel nombre des électrons gagnés. Donc, on trouve moins 3,2, 10 moins 19 coulombs. Voilà. Donc, finalement, calculer le nombre N d'atomes d'oxygène qu'il faut ioniser, transformer en ion, pour obtenir une charge électrique Q égale à moins 1,6. Microcoulombe. Donc, l'année, je n'en atteint le Q, il est moins 1,6 microcoulombe. Donc, moins 1,6 microcoulombe égale à moins 1,6, 10 moins 6. Donc, l'année, je mettrai bien sûr le coulombe. Donc, quoi égale N? N égale à moins 1,6, 10 moins 6 sur moins 3,2, 10 moins 19. On trouve 5, 10 à la puissance 12 atomes. Allez, je vais calculer le nombre N d'atomes d'oxygène qu'il faut ioniser pour obtenir une charge électrique. Donc, charge derrière, bien sûr, je l'ouche un nombre N. Donc, on trouve, je l'ouche charge, allez, moins 3,2, 10, moins 19. Donc, d'abord, il y a la savoir à net. Quand on a un peu de temps, je vais te faire un peu de temps.